crois au tout puissant. Je crois pas trop les trucs astro. En parlant de passé, c'est ce qui peut te faire bugger, devenir claustro. Vaut mieux s'en servir d'appui pour pas répéter les defs. Tous les jours on parle de diff, mais la diff nous a rendu bêtes. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas l'AC. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du mardi. Et si on peut mettre un petit pouce bleu, ça ferait vraiment plaisir l'équipe. Et c'est parti. Bon équipe, pour commencer cette petite actualité du mardi, on a i300 qui annonce la sortie d'un nouveau projet qui va s'appeler La Trappe m'a sauvé. Et c'est disponible pour ce vendredi. Ensuite, on a Dooms de l'entourage qui a encore une fois lâché un pic à Gims. Et c'est par rapport à justement le projet de Gims qu'on avait vu il y a quelques mois. Où en gros, ben, il devait investir 100 millions d'euros, tu vois, dans des projets de construction de villas, etc. Et là, on peut voir qu'il y a Dooms qui a dit. Gims, alors ce projet immobilier à 100 millions de cacahuètes, ça bloque? T'as beau être l'ami du roi, et sauter dit, si t'as pas les autorisations, c'est cuit. Homme de paille, on se voit bientôt. Et au-dessus, il a dit, refais-les vite, Gims. Et il a mis des cacahuètes en emoji. Et là, en gros, ben, il l'a mis en garde, en lui disant, on se voit bientôt. Donc ouais, je sais pas ce qui va se passer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, ça, c'est un truc de ouf. Et il y a également le manager de Friskerlund qui a réagi par rapport à ça. Puisqu'en gros, ben, il y a l'animateur Mathieu Delormo qui a été surpris en train d'acheter de la devant chez lui. Et il a été placé en garde à vue. Et en gros, ben, lors de son arrestation, il y a Mathieu Delormo qui était en possession de 300 euros en liquide. Son domicile a été perquisitionné. Et 1 gramme de poudre blanche, un peu d'herbe, voilà, t'as capté, ainsi qu'une petite quantité de MDF et de GHB ont été retrouvés. C'est un truc de ouf. Et en gros, ben, là, il a été placé en garde à vue par rapport à ça. Et en gros, il y a le manager de Friskerlund qui a laissé un message. Et on peut voir qu'il a dit. L'animateur TV Mathieu Delormo, placé en garde à vue après une transaction de poudre blanche à Paris. La police aurait trouvé à son domicile. Et là, en gros, ben, il a mis ce que je vous ai dit. Les donneurs de leçons sont souvent eux-mêmes de mauvais élèves. Et ouais. Et c'est un message qui a pas mal tourné. Et je tenais à vous en parler. Puisque ouais, cette info, elle a fait le tour depuis ce matin. Et sachant que bah, Mathieu Delormo, justement, sur le plateau, il disait comme quoi il avait jamais pris de trucs comme ça, voilà quoi. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on a Sadek qui a laissé un message par rapport à Bassem. Puisqu'en gros, il y a une page qui s'appelle MMA Arena, qui tweet justement sur des choses par rapport au Free Fight, qui a laissé un message à Bassem. Puisqu'en gros, Bassem, il est en train de dire aux gens d'aller voter au RN, etc. Bref. Et là, on peut voir qu'il y a le MMA Arena qui agit. On remerciera jamais assez Sadek. Et c'est un tweet qui est en train de tourner un petit peu partout. Et il y a Sadek qui a dit, il n'y a pas à me remercier pour quelque chose d'aussi stupide. La preuve, il est encore pire qu'avant. Et c'est la réponse de Sadek par rapport à ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais venant justement de Bassem, une personne qui a divisé tout le monde, qui a utilisé la religion justement ben, pour attiser la haine, j'arrive pas à comprendre. Ouais, c'est un truc de ouf. En plus de ça, il était dans des polémiques comme quoi il avait frappé un handicapé en vidéo. La vidéo, moi-même, je l'ai vue. Il m'avait menacé justement de pas en parler en vidéo sur YouTube. Bref, c'est un truc de ouf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Michou qui a répondu à Nono Nagrinta. Puisqu'en gros, Nono Nagrinta lui a lâché un petit pic dans son son qui s'appelle Kimka. Et il a fait référence à la SACEM, tu vois. Et il y a Michou qui a réagi en vidéo directement. Et pour le coup, sa réaction, elle m'a fait plaisir et je tenais à vous en parler. Bref, regardez. Donc on en parle. Apparemment, il y a ce rappeur, Nono Lagrinta, qui parle de moi dans un de ses sons. Cher Nono Lagrinta, je sais pas si t'es au courant, moi j'ai 22 ans, t'as l'air moins âgé que moi. Donc déjà, t'as de la chance que t'es beau, tu vois. T'as de la chance d'être beau, tu vois. T'as de la chance. Non, sérieusement, je suis vénère, tu vois. Parce que t'es là, tu me clashes, tu rappes bien en plus. Bah ouais, tu... Il me faut la SACEMA. Il me faut la SACEMA. Johnny, je veux pas celle de Michou. Non, il me faut la SACEMA. Ensuite, il y a Chakola qui a appelé ses fans à faire barrage à l'extrême droite pour ce dimanche 7 juillet. Et il a appelé à aller voter. En gros, on peut voir qu'il a dit. Pour ceux qui me suivent, vous savez déjà que ce n'est pas un sujet sur lequel je suis à l'aise. Mais je sais d'où je viens. Je sais où j'ai grandi. Et je connais mon histoire et celle de mes parents. Tous ceux qui le peuvent, allez voter contre le Front National, Rassemblement National. Ils appellent ça comme ils veulent, mais une chose est sûre, on ne veut pas d'eux. Et c'est pas la France dans laquelle on veut voir grandir nos enfants, nos neveux, nos petits. Force à tous, restons concentrés. Paix. Et juste après, il a dit. Désolé, je pensais pas que j'avais besoin de parler, mais les faits sont là. Merci de m'avoir fait comprendre qu'il fallait prendre mes responsabilités. Et c'est un message qu'il a mis sur ses réseaux. Et en gros, ben, il appelle les gens à aller voter l'équipe. Et c'est vraiment important.
Ensuite, on a également Aya Nakamura qui a appelé ses fans à aller voter pour ce dimanche 7 juillet et à faire barrage à l'extrême droite, en gros le RN. On peut voir qu'elle a dit « Je suis bien placé pour comprendre et savoir la place du racisme dans notre pays. C'est les mêmes qui ont le seum quand on brille, car on n'a pas fini de briller. Et oui, je suis discrète sur ces sujets. Des fois, on se sent pas pertinent et pas assez légitime pour parler et dire de bonnes choses sur des terrains qu'on maîtrise pas. Ça veut pas dire qu'on n'a pas d'avis. Hein. Maintenant, je comprends que ma position d'artiste nécessite que je prenne la parole, car c'est un moment important pour nous toutes et nous tous. Donc dimanche, on va tous aller voter et contre le seul extrême à condamner. Et il n'y en a qu'un. Et en gros, elle fait référence à l'extrême droite. Et c'est un message qui est en train de tourner un petit peu partout. Ensuite, on a Booba qui a répondu à Aya Nakamura. Et c'est par rapport à ce long message que je vous ai lu. On peut voir qu'il a dit « Trouve une attachée de presse par pitié. » Et voilà. Et en gros, ben, il l'a clashé par rapport au message de Aya Nakamura qui appelle à aller voter. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé du son No Pazaran qui devait sortir sur les réseaux. Et là, en gros, ben, hier, il est sorti sur YouTube. Et il y a plusieurs personnes qui ont réagi. Et je viens de tomber sur un article de BFM TV qui parlait de Marine Le Pen. Puisqu'en gros, elle a réagi par rapport au son qui est disponible sur YouTube. Et elle a dit, le nouveau Front Populaire, ça donne envie, non? J'espère que le parquet va se saisir de cette abjection. Et c'est la réaction de Marine Le Pen par rapport au son qui est disponible sur YouTube. Et il y a plein de personnes ben, qui ont reproché justement qu'il n'y ait pas, par exemple, je sais pas moi, Youssoupha, Medjin, Kenny Arcana, des rappeurs qui déclarent des choses, tu vois. Et voilà. Et je vous invite à aller écouter le son, il est disponible sur YouTube pour les personnes qui sont intéressées. Ensuite, il y a également Niska qui a appelé ses fans à aller voter contre l'extrême droite pour ce dimanche 7 juillet. On peut voir qu'il a dit « Même si ça fait des années que les politiques nous ignorent, nous stigmatisent, nous insultent, je peux plus rester sourd, muet et aveugle face à cette situation qui pue la merde. Les fachos au pouvoir, jamais, c'est tuba, ça va partir en 3 petits points. Fort et c'est bon pour personne. Aujourd'hui, la meilleure façon de leur répondre, c'est les urnes. Dimanche, allez voter. » Ne laissons pas les gens qui nous détestent gouverner. Hashtag RN et la mine croix rouge. En mode, ben c'est pas le RN qui doit passer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, dans sa dernière vidéo YouTube, on a Mehdi Maizi qui a donné son top 10 des meilleurs albums de rap français, d'après lui. Et en gros, ben, il a donné son avis par rapport à un album de Rof. Et il s'est moqué. Et il y a Rof qui a laissé un message qui dit « À quoi sert ce foutiste du rap? C'est quoi son talent au juste? La désinformation ?» Il sait même pas que 10 ans d'avance est ma première mixtape. Il l'attribue à d'autres carrément. Et ça veut jouer les experts. Et le devin du rap. Mais va là-bas. Cauchemar du rap français. Plus de 10 ans d'avance. Égal Rof. Hashtag leader. Et c'est la réaction de Rof par rapport à justement ben, ce passage. Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Mais moi, tu sais, lequel je connais par cœur, c'est le cauchemar du rap français. Ah, la mixtape. L'horrible ouais. mixtape. Ouais, mais elle est horriblement géniale. Elle est génialissime. Elle est horrible pour la cover, mais sinon, c'est trop. Mais même le son, c'est, ouais. c'est des enregistrements de radio. Ouais. C'est horrible, mais c'est génial. C'était l'époque où les plus grosses stars du rap français sortaient des mixtapes. Comme ça, quoi. J'avais Diams 10 ans d'avance aussi. Non, c'était Booba 10 ans d'avance. C'est... Mais Diams avait une. Je sais plus. Oui. Bon, en tout cas, il y avait des tapes qui sortaient avec des trucs radio ouais. et tout. bon, là, il y a un autre. Double album. Premier double album de Rof. Ouais. Il en fera 44 après ouais. des doubles albums. Mais c'est son premier double album. Et c'est un blockbuster. Moi, je me le prends comme un blockbuster, comme un album. Quinry, d'ailleurs il ramène des Quinry, des producteurs Quinry, J.R. Rotem, etc. Richard Segal-Aurelia qui mixe l'album, qui est un mec qui a mixé Marcel Mathers, qui a fait le son de Milan voilà. de Dre. Ouais. Donc c'est vraiment Rof qui est déjà genre un des top rappeurs français qui devient genre qui amène... Et là il est, pour moi il est déjà trendsetter à ce moment-là. Mm-hmm. Je sais, il est trendsetter et après le nombre de gens qui vont reprendre des flows à lui, des prods, ou des, appeler des producteurs que lui a ramené. Bref, c'est un album incroyable. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Bien sûr que j'ai vu des passes des, mais le problème avec ça, c'est que les bons sables peuvent vite se transformer en taspé. Lui le karma si le dose plus, y'a qu'un oreille qu'on plie. On s'ouvre le cœur, on boit des litres, genre c'est ça qui donne l'inspi. Ça finit en bourbier, mais tranquille, on respire. Nous on mérite bien mieux qu'une girafe plein de pisse. Petit je me bagarrais, je mangeais des corrections. Aujourd'hui ça va, je suis zen, j'ai établi des connexions. Bah ouais j'avais aucun accès. J'ai tellement galéré que si tu me demandes de l'aide, je pourrais rien dire à part que j'accepte.
du truc. Voilà le clip, ouais, j'ai pas vraiment d'outro, je voulais juste raconter une petite histoire, puisqu'il y a plein de personnes qui me disaient, ouais, Fico, faut que tu tailles la barbe, faut que tu fasses quelque chose, t'ailles chez un barbier, etc., tu vois. Et j'ai pas vraiment été chez un barbier, c'est mon frère, justement, qui me l'a arrangé. Mais en gros, tu vois, il a complètement raté. En fait, il a voulu, justement, égaliser un petit peu la barbe, sauf qu'en fait, en mettant, justement, la tondeuse, il a mis un coup de tondeuse et il m'a fait un trou directement dans la barbe. C'est pas que t'as fait là. Regarde, je te jure, sur la tête de ma mère, ça va. Donc, en gros, ben, j'ai pas eu le choix de la raser au plus ras, tu vois. On dirait que j'ai vraiment plus de barbe. C'est une dinguerie. Donc voilà. Enfin bref, c'était une petite anecdote que je tenais à raconter pour des personnes qui se posaient la question pourquoi d'un coup j'ai plus de barbe et un coup j'ai de la barbe, un coup j'en ai plus. C'est parce qu'en fait mon frère m'a complètement loupé, il m'a fait comme dans la haine, tu vois. Au moment où il lui fait un trou dans les cheveux à Saïd, et ben il m'a fait la même chose mais dans la barbe. Fais-moi confiance, mais quoi? Fais-moi confiance, qu'est-ce qu'il a? Il est bon le trou. Mais pourquoi c'est pas un trou d'abord? Pourquoi il fait quoi là? J'avais une larme aux yeux, je vous mens pas, parce que laisser pousser sa barbe pendant longtemps, tu vois, et ensuite quand on se fasse un trou comme ça, sans faire exprès, sur le coup, j'avais carrément une larme qui coulait, c'était une dinguerie. Ouais, j'ai pleuré, parce que, ouais, bref. C'est rien, je te dis, tu me fais pas confiance, il était relou, sans moi je te coupe pas ta cheveux, hein. Je te dis à soir pour une meuf prochaine, une vidéo et une mêlée d'esprit. Peace les gars. La mise elle est belle et bonne, mais vicieuse, touche la cala même pas. Le regard en dit non, le visage assombri par la genja. La plupart sont pas choquards, ils savent que HLZM il est à basse. Ça pue l'amnésia dans la vago, pourtant j'ai pas encore roulé mon gros camas. Viens récup la peu frasée, juste pour faire rentrer ses plaisants, mais bon y'en a pas assez. Et la plupart elles ont deux facettes, j'ai la recette. J'écrase conclu comme égo de cigarette, je leur fais des séquelles. J'ai à l'ingé d'augmenter le BPM. Sur le bitume, j'ai ma paire de TN, j'attends que ça paye, mais le succès répond toujours pas aux appels. Perso les marques de luxe, c'est pas trop mon truc. Un t-shirt à 800 E, je peux pas donner mon huc. Jamais de la vida, je dis que l'instru, j'ai envie de me vider. Il me faut l'assassin, Slimane et Vita. Et là, je suis sur Paname, ça enchaîne les délits. Plaquette coupée, normal qu'on embellit. Du quartier, faut que je me barre de là. Très peu de vrai, pense à toi quand tu vas mal. Faut s'accrocher, avoir le mental. J'ai cramé ton vice comme la banale au quartier. Et si tu mets des bananes ici, on va t'afficher, fils de...